Bon week-end, abonnez-vous sur la RDC Mon Télévision et si vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Merci pour la confiance. Merci parce que vous avez fait ça. 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 Partout dans le monde et ça, ça nous fait réellement plaisir. Et pour la buso, et qu'on continue comme ça, la buso, c'est quand vous continuez à commenter. Merci beaucoup, Nabino, t'as dit qu'on commentait la buso actualité sur ADC Mon Télévision. Merci, Nabino, vous allez qu'on l'embatte, qu'on like. Merci, Nabao, vous allez qu'on l'embatte, qu'on partage ma émission la buso sur ADC Mon Télévision. Qu'on paie sa baninga lien, qu'on mette baninga li solo. Et ça, la buso, plaisir, paye, c'est bon. En tout cas, ça nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup, la confiance. Vous êtes Congolais, vous êtes partout. Il y a des Congolais qui sont tellement attachés dans la buso, qui sont tellement accrochés dans Bokala Buso, qui veulent suivre tout ce qui se passe dans Bokala Buso. Et moi, vraiment, ça me fait vraiment plaisir que vous êtes très nombreux. Bozana Europe, Bozana Asie, Bozana Océanie, Bozana Afrique, Bozana Congo, Bozana Kasumbalesa, Ozana Goma, Ozana na Sud Kivu, Ozana na Aru, Ozana na Kananga, Ozana Mbujimayi, Ozana Chikapa, Ozana Bandundu, Ozana Congo Central, Ozana Buso. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Merci de commenter, de liker, de partager avec nous ma émission la mission. Merci na binonyo so vous allez contribuer pour la RDC Monde et comment et pas bande de connaissances allez la mission. Voilà pourquoi je dis merci à toute l'équipe RDC Monde Télévision. Merci na maman Pauline, présidente de l'association RDC Monde. Merci na Joe Boléry qui nous réalise na quatre ma émission la mission. Merci beaucoup na accompagnement ya Juvenal. Merci beaucoup na appui à Bissonio sur vous allez que ça la procureur de ce monde et continue qu'au travail et nous pensons que ensemble avec vous allez qu'on a mis sur et je salue sur très bien ma case. Voilà ce week-end bah dans tout mettre ma solo na tout solo la mis sur parce que exact week-end na habi que vous en a pas l'un aux autres paiements aux autres mais moi j'ai aux autres la moi émission aux autres dans l'actualité pour la mis sur tout mettre ma solo pour ma solo c'est belé ma solo c'est belé comme mettre pour la commune la mis sur et puis ils ont intéressé mis sur. Nous allons parler de quatre émissions, une réflexion pour savoir nani oyo a divisé les Congolais. Pourquoi les Congolais sont tant divisés na ba place autre ce kosangana? Qu'est-ce qui nous divise? Qui est-ce qui nous divise? Qui est-ce qui est derrière cette division? Na quatre na mboka na biso, on en parle na quatre émissions, tout cela ba réflexion na quatre émissions mon Congolais pour toi, qui est-ce qui nous divise et pourquoi nous sommes réellement divisés? Hypocrisie internationale RDC, hypocrisie internationale ou bien passivité congolaise. Notre gouvernement aza passif, tout aza complice. Avec tout ce qui se passe, avec ma déclaration, il y a ma porte-parole militaire de part et d'autre, avec ma réaction. Est-ce qu'on va essayer d'en parler dans quatre émissions pour savoir ce qui se passe dans Kati na Mbokana Buso? La Cour constitutionnelle doit-elle dire réellement le droit ou bien dire la vérité? Plaire aux gens ou bien doit dire la vérité? Donc, le bilan 4 na émission, mon collègue, on va essayer d'analyser ensemble, de décortiquer ma cam oyo. Bah, Congolais, bah, je crois que les Congolais ne sont pas ici. Ah, mais c'est tout le monde qui a dit. Wazalendo, Yekuna Wazalendo, Okuna Wazalendo, Yokuna Wazalendo, tout le monde, Mouzalendo, Missonoso, Sali, Bawazalendo. Pour dire que nous sommes des patriotes, nous sommes vraiment attachés. Ne vous fatiguez pas sur Wazalendo Congolais, parce que nous sommes des patriotes et nous parlons et pour l'intérêt, il y a Mbokana Buso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez suivi la Cour constitutionnelle a délibéré, a dit que a coupé ça. Point de vue naïe, tout pays décision naïe arrêt gobima d'ici le 30, mais après quoi annoncer Buso qui na batumi balé oyo bakoki kozala invalider to bakotikala. On va essayer d'analyser autrefois tout ça avec une bonne analyse, mais voilà que la Cour constitutionnelle est qui a le bien monsieur Seth Kikuni balbi yaye requête naye ezanango ya globalité yaye ko tifo ezala invalider. Ça c'est le ministère public qui a requis cela a sengi ba rejeter makambo ya Seth Kikuni déjà pour accotion tardivement et puis ça n'a aucun impact sur la personne. Mais qu'est-ce que Seth Kikuni voulait? Seth Kikuni a le bi a zo banga que Félix Tshisekedi a sa la troisième mandat parce que ceux qui va valider candidature naye na kombo oyo Asaye la quitté en 2018, mais ce que soit commis en 2023-2028, voilà combo n'a d'Asaye la qui n'a combo Moutou Oasaye qui président en 2018 et Zaki Félix Tshisekedi Tshilombo, mais Oyosiko Aza président en 2023 et Zaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, comme Antoine Abakissami, ça fait notre place. Alors, pour l'empêcher, il y a ça la couronne. Donc, pour dire, monsieur Seth Kikuni et sa bande, ça, ce sont déclarations et avocats à Seth Kikuni. Pour dire que
Malgré les 12 avocats réunis, malgré les plaintes posées, ce que cette Kikuni sait, c'est qu'il faut empêcher Tshisekedi d'être candidat, parce que si Tshisekedi est candidat, il va gagner. Parce que je ne vois pas comment il peut imaginer déjà que d'ici 12 ans, d'ici 2028, la personne a conquis qu'on changeait, comme Boko utilisait, et à quoi c'est le troisième mandat. Comment il peut prétendre que le troisième mandat est possible alors que, jusque-là, rien n'est fait dans ce sens-là? Comment il peut croire qu'il y a un troisième mandat, ce qui Mutuana a un bilan négatif? Si cette personne-là n'est pas aimée par les Congolais, qu'est-ce qu'il veut insinuer? C'est comme ça qu'il veut nous essayer de nous faire croire que non, réalité ça, à qu'on triche une élection. Non, c'est qu'ils sont convaincus que malgré tricherie, parce que le camp Katumbi avait haussé sa position. Pour Nabango, il faut empêcher à tout prix qu'il serait dans la tête parce que à qui qu'on gagne élection, Bongo a se présenté comme troisième mandat na combo ya Félix Antoine. Comme toute autre personne, Mutumususu, ne Mutu a commis candidat na 2028. Donc, écoutez cette analogie-là, moi ça m'a tiqué, je me suis dit non, c'est pas normal. Dites-nous la vérité. Cette Kikuni était allée là-bas pour faire quoi? Alinga ça la meuse. Je l'ai dit toujours, la personne qui est mal connue parmi les candidats, dites-moi seulement un regroupement politique topé quelques individus au bazar nakatina structure songolo bazo soutenir candidature Kikuni bazate, mais il y a au moins des gens qui les soutiennent parce que bazo moi choqué zo bima parce que ce monde zo bimisa déjà candidature nae a recruté 12 avocats même bamusuzo ba outil banda mboka po baiko ko appuyer plainte nae de c'est pour dire que moi choqué zo bima moi mike zo bima dans ceux qui bouffent c'est moi mike wana nde muntu bazo sala que les messages à populaire a la connu aye bana de son pe betama parce que ce qu'il veut na réseaux sociaux il est connu na réseaux sociaux on le suit na réseaux sociaux il est azana ba Twitter azana très présent azana ba publication zo sala il y a des gens qui commentent qui débattent avec lui sur Twitter. Les gens imaginent que c'est ça aussi. C'est les Britanniques sur Twitter et coquilles pour la présidente de la République. Non, c'est encore une distraction de mauvais goût. Mais pour son cas, le ministère public a réagi sur place. A dit vraiment pour Naïd, a dit vraiment que va rejeter. Maintenant, tu commets un deuxième dossier. Monsieur, tu vois, dit, oh, il y a une plainte contre Katumbi. Il y a un vraiment infondé. Maintenant, il y a Noël Tchani. Ce qui m'a un petit cas, c'est pourquoi je dis la Cour constitutionnelle doit dire le droit ou bien regarder le tête des clients. Il faut le bas vérité, topé à Abou Babis ou à Congolais. Cour constitutionnelle, à côté de la principe, to à Kobima. Si pour un même dossier, si pour cette Kikuni, il fallait rejeter parce que à côté tardivement, c'est que pour Noël Tchani aussi, il faut écouter parce que à côté tardivement. Malgré les bonnes raisons, oh Noël Tchani Kokozanango contre Katumbi, mais selon mon point de vue, parce que oh y'a côté si paye les 23, oh y'a côté les 23, bah on a soumis ton côté les 22 à Zaté. Ce qui va quoi ici à Kikuni parce que côté tardivement, c'est qu'il va quoi ici à Tchani parce que côté ici tardivement. Ça, c'est ça le droit, c'est ça la justice, et ça l'équité. Parce que parmi les Bazali Banda. Alors, ceux qui vont traiter à Baoumi, vont traiter à Noël Tchani, vont traiter à Kikuni. Ça serait aussi logique. Parce que c'est que seulement traiter, il faut pas ma journée dimanche. Balongoli, journée dimanche, parce que c'est le 22 dimanche. Balongoli, dimanche, batangi samedi, na lundi. Là, dans ce cas-là, ceux qui ont une logique, on peut comprendre. Alors, ceux qui vont salir Bongo, il faut pas traiter les deux dossiers. Maintenant, qu'il faut que le ministère public a requérir un argument exact, convaincant, conformément à nos lois. Qu'on a dit ça, mon ami, mais quoi, moi, quand la mission pour nous croyer, mais ça, mission car réellement il fallait qu'on rejette plainte à monsieur cette Kikuni qui a infondé qu'on prouvait qu'on défendre. Il y a des avocats, j'ai vu des avocats du président de la République au bazar qui complétait bazar qu'on défendre même candidat à Bango comme il y en a qui défendent, mais pas pour lui seulement tardivement. Ceux qui ont été calés et bah rejetant pour la raison, il y a tard en tout cas. Je serais désolé que ma traité y a Noël Tchani alors qu'il y a un peu de la Cour constitutionnelle maintenant, il faut se baser sur le dossier il y a Katumbi. Monsieur Katumbi, selon ce que l'un de ses avocats a fait glisser dans l'opinion, alors que c'est ça le problème,
le camp Katumbi a vraiment beaucoup de divergences. On va dire que c'est un laboratoire. Non, il y a un laboratoire. Ce sont ceux que ces avocats-là disent. Moi, je suis un peu plus de temps. Qui est-il? On a évité parce qu'il y avait beaucoup de gens à la Cour constitutionnelle hier pour la Makambouana. Pendant que Bazo Solabanga, il dit que ce qu'on va préparer pour la Katumbi, c'est plus élection 2028. C'est pour dire que Katumbi aussi est conscient que 2023 a gagné. Son souci, c'était quoi? Aza la candidat ou qu'on a validé en 2023. Au moins, quand on a validé en 2023, dans ces cas-là, en 2028, à cause d'un argument solide à cause de personne ne pourra lui opposer les cambo nationalités. Donc, c'est ça ce que les avocats de Katumbi préparent. Bazo travaille tes élections. Donc, pour dire que dans le cas de Katumbi, il y a deux branches. Il y en a qui sont dans les réseaux sociaux, il y en a qui disent on veut que Katumbi soit président. Mais ils ont travaillé pour les élections OIT, ils ont travaillé pour l'élection 2028. Or, si on va dans cette analogie-là, on comprend aussi que vraiment, ils ont conscience, mais tout le monde est convaincu que il y a solo Katumbi a gagné l'élection. Tout solo là. Mais moi j'ai fait seulement des amakamunabango, ils ont fait un solo, quand on dit les mirons aux oreilles, mirité moutoyokaka, ba mirité moutoyokaka, et on a mis sur les a. Bato ba pemeni wana yo zobeta li solo betela na betela jibena li solo nzoka de jo azana azoyoka tango je pe yoki abeti pe li solo mutu kuna pe azui. Donc pour éviter que mutu songolo azwa, pour éviter que pakala azwa et pe sa biso ba conflit, c'est comme ça qu'on demande toujours d'être discret. C'est pourquoi on refuse de faire des déclarations aux autres salles, aux autres qui est à côté de toi. Bon, bah, information est fuite en dégénie. C'est comme ça que ça fuite. L'avocat qui disait ça, Azobe Talisoba Onabango, nous nous battons plus parce que toujours visé 2028. On veut que la candidature de Katumbi soit maintenue par la CENI. C'était déjà un acquis. Et ça la peut maintenir par la Cour que ça sera encore un acquis et vraiment ça sera fini. Dans 2028, moyen qu'on valide Katumbi. Et continue la Rosalate. Parce que dans ces, il a été validé par la Cour constitutionnelle et la CENI. Maintenant, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle doit faire? Dire le droit ou bien regarder la tête de Katumbi. Parce qu'il y a une pression occidentale sur ces élections ici. L'élection 2028, il y a 2023 plutôt, la RDC et comment ils ont préoccupé tout le monde. La communauté internationale, où ça la hypocrisie à Kolingabiso, la communauté internationale qui s'était quand on tue à l'Est, la communauté internationale qui ferme les yeux sur ce qui se passe à l'Est, alors que aujourd'hui, la même communauté internationale s'est mobilisée pendant qu'on décrit en gros, même pour soutenir militairement. L'Ukraine face à la Russie, même pour soutenir l'Israël face au Hamas. La même communauté internationale s'est mobilisée. Mais la même communauté, c'était dans la RDC, comme si les Congolais étaient moins que les Ukrainiens, moins que les Israélites. Avec cette hypocrisie-là, donc c'est comme ça qu'un monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui se présente dans la RDC, il voit que tous les Congolais sont donc flattés par présence naïve. Monsieur Mélenchon est venu. Non, c'est pas important. Moi, à mon avis, c'est pas important. Je ne prends rien. Pourquoi? Parce que il est français. C'est aux Congolais seuls de prendre leur sécurité en main. Macron l'a dit ici. Le président Burundi l'a dit. C'est aux Congolais de se prendre en charge. Ça ne demande pas que les Congolais ne sont. Ce n'est pas important, il y a que ça. Eh non, ce n'est pas important, le Rwanda n'entend pas ce langage là. Le gouvernement congolais doit être actif. Quitter la passivité, allons à l'activité. Quittons seulement Kodimé, même si tout le monde pouvait comprendre que nous sommes agressés par le Rwanda et que ça n'est pas juste, ça nous rapporte quoi? Tant que le Rwanda n'entend pas ce langage-là, ils ont exclamé. Alors maintenant, ces gens-là qui sont hypocrites, croient que nous sommes tous les gens. Maintenant, c'est les mêmes personnes qui soutiennent la candidature de M. Katumbi. Ils se battent pour que la candidature de Katumbi ait le camp. Parce qu'on fait pression sur le régime afin que l'élection ait salement dans le délai, comme on l'a dit. Mais la première personne qu'on voulait qu'elle soit là, c'est Katumbi. Le second schéma, c'est M. Denis Mukwege. On a compris tous qu'il y a des gens qui jouent le jeu de l'étranger. Regardez, quand les Congolais meurent ici, même nous Congolais, nous avons du mal à réagir. Peut-être que nous sommes médias, nous sommes lobas, nous sommes gangas, nous sommes décriés. Mais les politiques congolais, combien?
Il s'amène. Personne. Et qu'est-ce qui nous divise? On va en parler. Donc ça, l'analyse sur l'amour, pour savoir qui est-ce qui nous divise, pourquoi nous sommes tant divisés, alors que d'autres nations s'unissent, alors que les autres se retrouvent ensemble, alors que nous sommes sangana, nous avons trouvé solution, nous, dans la RDC, nous nous divisons, nous nous battons contre nous-mêmes. Un peu curieux, non? Nous nous battons contre nous-mêmes. Nous ne battons pas contre la RDC, et contre le Rwanda, mais nous nous battons contre la RDC. Alors, la Cour constitutionnelle maintenant est partagée. Face à cette pression-là, faudra-t-il, parce que la CENI a déjà accédé à cette pression-là, la CENI avait accepté de collecter sa candidature à Katumbi pour éviter, parce qu'on avait déjà trop dit sur la CENI. On a trop dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oyo Yokate. Oyo Kanosono. Tu as entendu comment on crie à gauche, à droite, on demande, non, la CENI a été instrumentalisée par le pouvoir, la CENI travaille pour le régime, la CENI va faire... Le camp Katumbi craignait invalidation à niveau CENI, CENI à l'Ekissi, ils ont applaudi, maintenant la CENI a montré qu'elle est impartiale pour ce cas-là. Donc, on a des aventures, hein. On va parler. Donc, vous comprenez que ces gens-là, ils ont fait... Ils ont mis la pression sur la CENI. CENI a quitté CENI. Quand il m'a dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a même menacé des sanctions, si vous ne le savez pas. Les sanctions occidentales, les sanctions américaines, les sanctions européennes. Ils ont menacé, ils ont copésé. Ceux qui ont validé Katumbi, voilà les sanctions qui vont arriver. La CENI peut-être a eu peur de tout ça. La CENI s'est ressaisie. Bon, je vais passer. Cour constitutionnelle à Tala. Dans la Cour constitutionnelle aussi, va voir. Je l'ai dit tout à l'heure, là, si la Cour constitutionnelle veut traiter les cas Tchani, doit se traiter les cas 7 Kikuni, parce que c'est ça la logique, c'est ça la justice. Bon, si on a traité ce que Kaiwana et Tchani, l'argument au Tchani a pensé, est-ce qu'il y a Zanango, c'est ce qui est écœurant. Je l'ai dit tout à l'heure, la fois passée ici. Tchani est mon cousin à élémenté. Il s'est basé sur un article de la Jeune Afrique. Oh, ils ont décrié, ils ont remettre en cause la nationalité à Katumbi. Monsieur Noël Tchani a eu un avocat, les avocats ont parlé, parloté, oui, ils ont argumenté ma point de vue. En allant toucher au point de Cameroun, quand Katumbi n'avait pas le passeport congolais, il voyageait avec le passeport. Ça aussi, ça posait problème. Est-ce que tout ça, la Cour constitutionnelle a entendu? Question mark, comme disent les Anglais. Moutoune Angwana, n'est-ce pas la Kingala? Bon, si la Cour constitutionnelle a été quittée, ce qui a été intéressant, c'est ça, première victoire à Katumbi, deuxième victoire à Katumbi. Et si Katumbi gagne déjà deux de ces trois batailles, il est déjà heureux. Parce que la première bataille, c'était candidature et les Kanaseni, deuxième bataille, candidature et les Kanakour constitutionnelle, troisième bataille, une élection réelle, à proclamer président. De ceux qui a gagné, on a, peu importe, soit gagné, peut-être, ce n'est pas un problème, mais ceux qui a gagné, il aura quand même eu la chance, il y a une élection, qu'on a candidat en 2028, parce que beaucoup ont validé sous cette. En 2018, Kabila a empêché qui est au côté de Congo, Kabila a freiné qui est à côté de Congo, a tiré la Zambie, moi, à côté, ça a quitté pour déposer une candidature en 2028. Ceux qui m'ont validé, c'est que en 2028, on a facilité un seul, et à cause de la candidat, sans autre. Qu'une inquiétude à Kotungi Samate, à Koumona Pasite, Koko Sepe Kosalate, Kalitini Koleka, sans problème. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bandekoba Wazalendo, Congolais Wazalendo, Wazalendo Congolais, Yonanga Kaba Wazalendo, Ngaï, je suis Wazalendo, Naolo Bana Media, Yope Oza Wazalendo, Ozo Lobakuna, Ozo Commenté, Oza Wazalendo, qui se sent Wazalendo? En tout cas, Kolik Samakamo Pambate. Si tu es réellement Wazalendo, en tout cas, au fond de Kimiate. Tout comme il y a des Wazalendo qui se battent sur le terrain, dans l'Alexandre Bino, dans l'image, pas de juvénal, qu'il y a des Congolais qui se battent, qui vont faire des bounda, des bounda, des poupola. Mais seulement, ça demande la compréhension de tous les Congolais. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble pour accompagner les Wazalendo sur le terrain. Parce qu'il faut dire que la guerre est rude. Alors, on devrait se battre sur tous les terrains. Je vous informe que sur les réseaux sociaux, il y a des comptes, des sites, même des médias. Oh, il y a des Rwandais qui réclament seulement, qui parlent au nom des Rwandais. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils disent en tout cas, ma cocité.
Très peu de Rwandais nous sommes mobilisés, très peu de Congolais nous sommes mobilisés pour nous combattre Makambo. Nous devons nous lever maintenant tous comme Wazalendo pour nous défendre la bonne mission. Quand un militaire, n'a pas autant comme vous n'avez, un militaire dit sur le média, alors bien, mission toi bas militaire toi bas civilité, mission toi bas politique était poser la question politique. Donc, alors qu'on lui posait la question sur progression et FARDC, pourquoi FARDC a continué d'observer cesser le feu? Quand un militaire dit ça, moi ça m'étique, je me dis, mais pourquoi le militaire doit dire ça? C'est pour dire que les civils qui nous dirigent ou les politiques qui nous dirigent ne disent pas tout. C'est pourquoi j'ai dit la passivité du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais est trop passif dans le Kana Est. Trop passif dans le Oyo, le Congolais va souffrir. Trop passif. Tenez. Donc, pendant que Bazonio collabore sur l'Est, le gouvernement tient un conseil des ministres. On en parle peu. Les FARDC avancent et par moments reculent. Bakangi, Babengani, Banguna, Barepoussa, Bangotrenon de Kibumba, mais après, Batiki, Bavillage, Wano. Oh. Pourquoi laisser? Et c'est comme ça. Bazonio continue d'observer cesser le feu. Pourquoi continuer à préserver le cesser le feu alors que l'ennemi nous attaque? Non, il y a des principes qui contredisent la souveraineté. Quand tu vois que la souveraineté est menacée, on ne respecte aucun principe, aucun traité. C'est ça la logique. On ne devrait respecter aucun traité au nom de la souveraineté. On ne devait pas. La souveraineté ne se donne pas. Elle doit être acquise. Et je sais au bout de l'ango. Pour longue souveraineté, ce n'est pas à nous, Congolais, d'attendre que nous allons faire de la mission. Non, ce n'est pas ça. Nous allons faire de la mission. Vous n'attendrez pas un Français à faire de la mission. Vous allez faire un Européen à faire de la mission. Il n'a pas ce temps-là. C'est la mission de Congolais, la mission de la mission. Tout est le matin. Pendant ce temps-là, le gouvernement, trop passif, n'attend que ma condamnation. Dites-moi ceux qui Mélenchon a condamné Ango Awa, a condamné agression. Ça va changer quoi? Si déjà même qui Macron est passé ici, il avait l'a condamné. Il a même dit qu'il donnait un temps à Homme 23 et au Rwanda d'arrêter. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que Homme 23 l'ongue? Non. Non. Pendant qu'il n'a pas changé, pendant qu'il n'a pas quitté là, donc, la guerre continue. Alors nous devons nous assumer. Arrêtons d'être trop naïfs, trop confiants. Les FARDC sont assez fortes pour... Il ne faut qu'un mot d'ordre au gouvernement. Moi je me dis, de quoi ça les commentaires dans l'émission, les cas qui a dit, pourquoi toujours déclarer guerre contre le Rwanda? Moi aussi je me suis posé la question, pourquoi alors? Jusqu'à quand? Déjà avec tout ce qui se passe, quand vous avez suivi l'émission avec Ndeko Juvenal, avec tout ce qui se passe dans la frontière Nayekuna, alors qu'il y a des rebelles qui sont en train de menacer le Rwanda, ils ont c'est l'occasion, mais c'est pas tout. Ils ont perdu beaucoup d'éléments dans la RDC, ils ont perdu beaucoup de militaires dans la RDC. Ce qui Kuna paye, il est ici. Kagame Akimi, on va pas garder un seul individu dans Azo dérangé moralement congolais, mais tu dirais tout roule à la bongite à cause d'un certain Kagame. Alors tout ça, nous attendons hypocrisie, nous attendons à l'hypocrisie occidentale. Batouana, Bayab, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Absolument rien. Ce qu'on a déjà gagné là, c'était lever l'embargo. Parce que nous avons dit que nous avons embargo. Pendant que le Rwanda nous menaçait, pendant que le groupe armé nous était sous embargo. Mais embargo, c'est longue. On a le droit d'acheter nos armes où on veut, comme on veut. Ma mesure de notification est longue. Maintenant, nous sommes libres, nous avons des moyens, nous avons la loi de programmation budgétaire dans l'armée, ce qui n'a jamais existé. Nous avons tout. Les FADC sont remontés en puissance, soutenus par les Ouazalendo que nous sommes. Mais non, on a noté le matin. Pourquoi cette passivité? Pourquoi ce relâchement? Pourquoi cette distraction? C'est un silence coupable. Le silence du gouvernement, moi, m'inquiète. Le silence du gouvernement m'indispose. Le silence du gouvernement me met mal à l'aise. Donc, ils mettent en attention. Silence du gouvernement. Pourquoi? On ne sait pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je l'ai dit dans l'émission qu'on allait faire une petite réflexion sur ce qui divise le Congo. Ni ne divisez pas les Congolais.
Et ça, la keto, tout le même langage. Qui nous divise? Qui est-ce qui nous divise? Banane et Baoka Bonabiso. Nano, ça, la keto, Kabouana. Est-ce que le fait d'avoir quatre langues nationales est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Okuna le Bichiluba, Okuna le Bikikongo, Okuna le Bissouaï, Okuna le Bilingala, ce n'est pas un problème. Mais nous restons fils et filles d'un même père, qui est le Congo. Déjà, partant seulement de ces facteurs-là, nous nous sommes divisés nous-mêmes. Nous sommes divisés non pas par appartenance tribale, la mission. Au moment où je soutiens X parce que Azam Moto Ekolo Nanga. Les élections dans Bokala Bissau sont quand même tribalisées. Vous verrez les gens soutenir avec le max X candidat parce que Azam Moto Province Nabisso. Le jeune Katangé, le jeune Kassayen Santrechi, Bazo Bundana, Bazo Swana, Bazo Bomana, alors qu'ils sont tous Congolais. Tshisekedi passera, Katumbi passera. Alors on va se tuer pour des individus. Non. Ce qui nous divise souvent, c'est parce que les hommes politiques veulent utiliser bat prétention dans la méthode d'ambition. Nous avons des guerres d'esprit. Toujours pour rien. Alors on a tout le temps de nous mettre ensemble, de pouvoir combattre ensemble, de nous battre pour l'intérêt du Congo. Pour tout tombe le Congo, c'est nous tous. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, moi ça me fait mal. Regardez, les Congolais, Congolais, Azalana Aru, Azalana Bunya, Azalana Kasumbalesa, Azalana na Lualaba, na Kolwezi, Azalana Katanga, na Okatanga, Azalana na Matadi, Azalana Boma, Azalana Mwanda, Azalana Tembo, Azalana Congolais. Ah, Congolais. Youte Moutopronos à la Congolais. Mais pourquoi nous laissons les politiques nous diviser? La première personne qui nous divise, ce sont les hommes politiques. Pour leurs propres intérêts. Tant que vous avez dit que vous avez dit que après, l'UDPS est au pouvoir. Bato avez dit que l'UDPS. Famille de Bangezori. Rien. Rien. Et qui vous dit que ce que vous avez au coup pour la tout mille ce que tout bien pour voir l'objet, il y a une famille qui se retrouve. Rien. C'est une partie pour ta famille. Arrêtons de nous entretuer pour les individus. Nous devons plutôt regarder qui est-ce qui nous amène un bon projet. Ceux qui soutenir un malentendu, qui est assis à sa projet, ceux qui ont sollicité. Nous avons les élections pour pouvoir nous décider. Et notre bon manapona yango. Tu sais qu'il y a aujourd'hui à président, nous avons voté pour Naye, nous avons voté pour Naye. Même Yafayoulou, à sa présidente. Même Akatoumi, à présidente. Donc celui qui pourra passer l'élection après l'élection à passer président de la République. Il est président de tous les Congolais. Mais ce que tout ce que Mani Busson a Busson et Mikolo, pour la moutou. Il y a des gens qui ont fini, ils ont fini. J'ai vu des familles s'entrechirer seulement à cause des individus. Ça a été le cas déjà sous Kabila. C'est encore le cas sous Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous, Congolais, n'avons pas compris. Il y a des points sur lesquels nous devons nous mettre ensemble. Les hommes politiques savent manipuler notre intelligence. Bazo sakane la biso na mayel. Bazo zo ba biso ba yebi ke ba distraire biso pour que elle continue à avancer. Les mêmes hommes politiques ba zo pe ba na bango lobi ba ko diriger biso parce que nous aujourd'hui nous nous battons biso ta biso to bomani. Ya biso ba il va avancer comment? Imaginez-vous ngana ke bunda pona mutu ko songolo ngana kofi ba nanga ba vivre ndeni ba ko la ndeni. Anta taye mutu na zo pouvoir lobi a comme député a comme ministre a comme président de la République. Bah, on a pas quitté la photo, pas quitté la condition malade, le bipo c'est pas dirigé par Nangaïti. Non, non, c'est pas comme ça. Or, nous devons nous battre pour l'intérêt d'abord de nous-mêmes, de tout Congolais. Le bonheur du Congo, la paix du Congo profite à tout le monde. Les temps battent beaucoup dans l'Est Kouna, ce sont les Congolais qui meurent. Mais si tous nous mettons ensemble, nous disons non, nous, pour l'intérêt du Congo, nous mettons ensemble. Madame Souto, on dit, mais qui est le Congolais, Sopana. Pourquoi nous sommes autant divisés? Pour ma futilité, ma cambozanga tenait des choses comme la biso, ma cambozanga valeur de comme la biso, ma cambozanga mutuna makolo comme la biso, ma cambo, en tout cas, n'est-ce tout misanga. Allez voir déjà hier à la cour constitutionnelle, il y avait déjà une tension entre les jeunes Katanga et les jeunes Kassayen. Pourquoi? Parce qu'il y avait de ces Katumbi et de ces Tshisekedi. Les indices, les uns accusent les autres. Vous imaginez,
et ça devient un problème de Kassaïen. N'a pas encore tout tu sais où tu as évité. Maintenant, ils se battent. Bazobunda. N'a pas encore tout mis à Ozobunda. Soba tout n'y a pas tout mis à Katangé par rapport à Nini. Oh non, parce que c'est le gouverneur à Katanga. Tu vois? Tout le monde a un débat. Tout le monde a un niveau. Si tu le soutiens au Katanga, en tout cas, je suis désolé de te dire, en tout cas, on ne devait pas se battre pour ça. Donc, si tu es au Kassai, donc, Makambo, ou bien non, dans ce bonus à Katanga, pour en tout cas, je suis désolé de te dire, pour en mettre une fois, tout le monde a été. 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 Makambo, on a été. Makambo, on a été. Congolais, nous restons frères et sœurs, Congolais d'abord. Formons une nation, arrêtons de nous diviser pour nous faire un tribalisme, un langue, un tribu. Ça n'a rien à voir. Ils ont quitté le buso. Et c'est comme ça que les Occidentaux ont compris cela. Ils vont continuer à manipuler le buso. Ils vont continuer à sacaner le buso parce qu'ils ont compris que le buso et le Congolais ne sont pas, unis. Je me souviens un Congolais qui disait hier que non, ce sont les Occidentaux qui vont décider pour nous faire un candidat en 2023 et le président en 2023. Ça m'a révolté, ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que nous, jusqu'à quand on commence souverain pour tomber décider les bisous, jusqu'à quand on garde silence en Tchouap, cette passivité-là des Congolais, pourquoi? Parce que bisous, on a déjà divisé les locaux. Quand on va nous imposer un candidat X Tourundima, nous sommes prêts à applaudir n'importe qui, nous sommes prêts à acquérir n'importe qui, sans réfléchir, sans analyser. Comme le disait l'un des avocats de Noël Tchani hier, ceux qui coûtent concernant l'Ekissi Katumbi, c'est que a bomi loi sur la nationalité et tout mundele nous sont comme appelé congolais à quoi peut président Mokambi. Non, je n'appuie pas ça totalement, mais je dis seulement que il y a des décisions que nous devons prendre pour ne pas donner l'occasion à tout étranger qui veut devenir mon président Mokambi à Salam. Pour ne pas donner l'occasion à tout étranger qui veut attaquer ce monde pour oboma congolais ori oboya. Parce qu'il y a des congolais ici, ba chinois ba ba sakare la biso. Azu policier congolais a passé ordre à Nyata congolais. Policier n'a pas eu le collègue, il faut que ce soit 50, ce soit 100 dollars, ce soit combien, il faut que ce soit. Et pas dans le Chinois, il a banni comme un congolais pour rien. Ce qui ne peut pas se faire en Chine. C'est ça, congolais. Aimons-nous, congolais, pour avancer. C'est dans l'internet, ça a été un réel plaisir pour nous. On a mis le week-end. On a dit que, place aux A, aux sépérités, on a mis le commentaire. Et je vous promets, je vais commenter prochainement dans la roya. Je viendrai dans autant de mon abino. Pèse abino ma fleur. Donc, changez l'abino parce que vous nous montrez votre fidélité sur RDC Monde Télévision. Merci à vous tous pour nous accompagner. Merci beaucoup de la confiance que vous nous avez donnée. Nga abino, c'est à bientôt sur RDC Monde Télévision. Avec le même plaisir. Au revoir.